Bonsoir, bienvenue au 77 News, la rétrospective de l'actualité de la semaine sur Canal 7. Toutes nos excuses pour ce léger retard. Au menu de cette édition, la République centrafricaine qui tient désormais son nouveau président, Faustin Archange Touadéra, a été élu lors du second tour de l'élection présidentielle à 62,71% des suffrages exprimés. Il était face à un autre ancien Premier ministre comme lui, Anicet Georges Deloguélé, qui par ailleurs a annoncé qu'il acceptait ses résultats. Le fait politique cette semaine nous emmène vers une autre présidentielle, celle-là en Ouganda, où Yoweri Museveni a rempilé sans grande surprise, selon certains observateurs. Il entame ainsi son cinquième mandat à la tête du pays, un scrutin riche en tensions et arrestations, rappelant à certains le Burundi voisin. De la diplomatie également au rendez-vous de cette émission, avec cette visite du Premier ministre français au Mali et ensuite au Burkina Faso, deux théâtres ces derniers trois mois d'attentats djihadistes meurtriers. Le fait culturel nous conduira dans les dédales du 7e art gabonais avec, à travers le concept de la quinzaine du film qui s'éclôt ce 20 février à Libreville. Roland Djakou viendra sur ce plateau pour nous en parler. Et du sport, pour finir, qui n'est pas en reste dans cette émission, Mamadou Niang nous rejoindra pour parler de football. Le tout-puissant Mazembe qui a démontré sa toute-puissance vendredi lors de la finale de la Supercoupe de la CAF face à l'Étoile sportive du Sahel, tenant du titre de la Coupe de la CAF. Voilà pour le sommaire de votre émission. A tout de suite. Sur ce plateau, déjà à ma droite, Carnot Atomo Mengue, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Changement de rôle, ça arrive. Ça peut le faire. À gauche, Ahmed Joé Bogo, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Bouche. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Merci. Bon dimanche à vous. Merci également. Toi. Nous allons démarrer tout de suite avec l'image de la semaine. C'est cette présidentielle centrafricaine. Les résultats du second tour de la présidentielle ont été publiés par Madeleine Nkwete-Uronaert, la présidente de l'ANE, voilà, l'Autorité nationale des élections, qui donne Faustin Archange Touadéra, âgé de 58 ans, vainqueur, avec 62,71% des suffrages contre 37,39% pour son rival Anicet Georges Deloguélé, même s'il reste encore que ces résultats soient validés par la Cour constitutionnelle de transition. Deloguélé, qui a d'ailleurs reconnu sa défaite, il renonce à saisir la Cour constitutionnelle pour des irrégularités qu'il disait quelques jours auparavant avoir observées. On note tout de même pour ce deuxième tour une faible participation par rapport au premier tour, à savoir 61% seulement. Touadéra, la force tranquille, se révèle au grand jour. Je vous pose la question à vous. Oui, d'autant que Touadéra n'était pas celui qu'on attendait à ce niveau de la situation, à ce niveau du scrutin, parce que Touadéra faisait partie des candidats outsiders pour ce scrutin. C'est donc un candidat, un président aujourd'hui élu, surprise, parce que on donnait beaucoup plus de crédit ou de quitus à son challenger, qui était le favori, hein, aussi bien au premier tour qu'au second tour. Mais on a bien vu que Touadéra est resté discret, et dans sa discrétion, il a réussi à convaincre le peuple centrafricain qui n'a rien fait d'autre que de le choisir. Et comme il aime à le dire, c'est sur les actes qu'il faudra le juger. C'est un ancien Premier ministre, vous l'avez rappelé tantôt, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui connaît les arcanes du pouvoir pour avoir été Premier ministre entre 2008 et 2013. C'est quand même 5 années de magistère qui lui ont donné une certaine expérience de l'exercice du pouvoir. Alors Ahmed Joé Bogo, je me tourne vers vous. Il faisait bien, Carnot, de parler de cette discrétion de Archange Touadéra. On a quand même vu un Anicet Georges Deloguélé très présent sur le terrain, mais finalement, il ne réussit pas à l'emporter. Ça s'est joué à quoi, selon vous? Ça s'est joué à quelques points très importants. Vous allez d'abord remarquer que Anicet Georges Deloguélé était nanti financièrement par rapport à notre challenger qui remporte cette présidentielle. Les points étaient les suivants. Le vainqueur de cette élection, comme l'a dit M. Carnot, discret, mais il aime écouter. Il est à l'écoute des gens, il est à l'écoute du peuple. Et c'est ce qu'il faisait, aller, n'est-ce pas, rencontrer les gens, discuter avec eux, connaître leurs préalables, connaître leurs aléas, connaître leur quotidien. Le deuxième point, c'est que c'est un homme humble.
et intègre. Et vous voyez, c'est des qualités, en fait, qui poussent le peuple à vous suivre véritablement parce que vous vous mettez à sa hauteur. La preuve, il a dit que si c'est même possible en tant que président, il irait continuer à donner des cours à l'université de Bangui. Vous le savez très bien qu'il est professeur de mathématiques. Donc, ça, c'est une preuve d'humilité. L'autre point, c'est qu'il il a le sens du devoir, effectivement. Il a le sens du devoir et le peuple centrafricain l'aime. Vous voyez, c'est autant de points positif effectivement, qui ont permis à ce que le peuple arrive à réussir à les lire. Et il vous souviendra également qu'il a même eu gain de cause dans les fiefs, effectivement, de son challenger, alors que beaucoup l'avaient donné perdant à ce niveau et que même l'ancien président, effectivement, avait soutenu Anissé, croyant effectivement que en lui donnant des voix de par son fief, effectivement, Théodora allait perdre. Mais malheureusement, le peuple a été avec lui. Il a su lancer son message au peuple et le peuple l'a soutenu. Et comme l'a dit M. Carnot, il va maintenant falloir qu'on le juge sur les actes. Mais il y a également un paradoxe au sortir de cette élection-là. Georges de Loguélé qui accepte les résultats, il se dit fair play, il va pas faire appel auprès de la Cour constitutionnelle. Mais de l'autre côté, ses partisans parle d'une élection truquée. Oui, bon, vous savez, en Afrique, hein, c'est devenu monnaie courante hein, que l'on parle d'élections truquées. C'est vrai, Georges l'a dit, il a dit qu'il n'allait pas entrer en recours. Il a dit qu'il allait le faire au nom de la paix. Et nous avons espéré, de par effectivement leur politique lors des campagnes, que les deux prennent la paix. Parce qu'il va falloir qu'il y ait d'abord une sérénité au niveau de la paix dans le pays pour que les choses puissent aller de l'avant pour dans les jours à venir. Peu importe que ce soit l'un ou l'autre qui aurait eu effectivement cette élection présidentielle, je pense que le cœur, le cheval de bataille tourne d'abord autour de la paix. Faire en sorte que les enfants du pays se réconcilient. Maintenant, le peuple, effectivement, il y a des gens qu'on aura peut-être du mal à contenir parce que il y a quelques heures encore, on avait ces informations comme quoi il y aurait eu, n'est-ce pas, des gens effectivement qui se seraient manifestés contre sa candidature, contre sa présidentielle, contre sa réussite. Bon, moi, je pense que à ce niveau, c'est à Anissé Georges de Loguélé de pouvoir effectivement sensibiliser ses partisans et leur dire de revenir à la raison et de reconnaître la victoire de l'autre. On parle beaucoup de paix, de stabilité, de remettre la paix, de fidéliser ou de légitimer les institutions, autant politiques, électorales et autres, de l'État. C'est donc un défi majeur qui attend Archange Touadéra. Absolument, c'est un défi majeur qui attend Archange Touadéra, parce que vous le savez, la Centrafrique sort d'une très très longue crise que les institutions internationales, notamment la MINUSCA et bien sûr le gouvernement de transition qui avait été nommé pour, portait à bout de bras, essayait de, je veux dire, canaliser malgré les velléités de guerre, de violence qui sont survenues à chaque fois dans ce processus de normalisation du pays. Donc aujourd'hui, Archange Touadéra qui hérite d'un bébé assez chaud devrait faire preuve de diplomatie. On sait que c'est un bon diplomate, il écoute beaucoup, donc c'est quand même l'homme de la situation aujourd'hui parce que sur le plan moral et humain, on lui donne beaucoup de crédit et on peut croire, et beaucoup d'observateurs pensent qu'il peut réussir à rasséréner le pays, à mener les fils de la Centrafrique à se retrouver autour de la paix. C'est vrai que c'est un pays absolument vaste et c'est un pays qui a des frontières absolument poreuses. Il y a aussi cette question, toujours dans cette lancée de désarmement des milices. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y arriver? Oui. Enfin, comme il le dit, c'est au pied du mur qu'il va falloir le juger. Et là, il ne pourra pas y arriver tout seul. Je veux déjà saluer le fait que Anissé Georges de Loguélé a décidé de ne pas faire un recours. C'est déjà un acte de paix de sa part hein, pour que le pays commence enfin à travailler. Parce que ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs longs mois que le pays est au point mort. Et aujourd'hui, le scrutin qui vient de s'achever,
achevée marque ou sonne, je veux dire, la lie de cette longue crise, de cette longue transition. Il n'y a pas de raison qu'on fasse encore des polémiques. Mmh. On a déjà désigné quelqu'un sur un score assez intéressant. Il faut le laisser travailler, mais il faut que les fils du pays viennent travailler avec lui pour que la Centrafrique sorte de cette torpeur. Justement, parlons des fils qui vont travailler avec lui. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait une prochaine alliance avec Dele Ghele? Oh, certainement, c'est possible, puisque c'est un fils du pays. Et déjà, en parlant de ces groupes armés, le président actuel a d'ailleurs décidé, n'est-ce pas, s'il était élu, effectivement, de se retourner vers ces derniers, de leur tendre la main, de leur demander de déposer des armes. Il a ajouté que cela va être difficile, mais que ce n'est pas impossible. Bon, moi, je pense que du côté de Dele Ghele, cela va devoir aussi se faire. Quand on regarde également le programme politique de Dele Ghele, qui avait beaucoup d'ambition en matière d'agriculture et autres, on peut compter sur lui peut-être pour... Absolument. Absolument. Je pense quand même que autant Dele Ghele que Faustin Archange Touadéra, on sait qu'ils ont, je vais dire, un dénominateur commun, c'est un peu François Bozizé, c'est un peu les soutiens de François Bozizé. Donc en réalité, il n'y a pas de raison qu'après leur explication électorale, qu'ils ne s'asseyent pas sur une table pour dire « nous nous sommes battus, dites démocratiquement, dans les urnes, on s'assoit sur une table pour créer une plateforme de gouvernance qui va amener le pays à changer, à quitter cette situation de crise. Donc en réalité, les deux hommes qui sont des hommes d'État vont réfléchir à ce que la Centrafrique sorte de la situation dans laquelle... Est-ce qu'on ne va pas assister à un petit scénario du genre Dimitri Medvedev et Vladimir Poutine qui s'est passé en Russie? Rien n'est moins sûr, mais pour le moment, c'est Faustin Archange Touadéra qui est le président élu, selon les résultats qui ont été proclamés. Au départ, ils ne sont pas allés en tandem, comme on le sait, Medvedev et Poutine ont toujours été en tandem. Ils sont issus, Medvedev et Poutine sont issus du même parti, ce qui n'est pas le cas pour Touadéra et Dele Ghele. Ça veut dire qu'ils vont simplement s'entendre sur la marche à donner au pays, à mon avis, rien de plus. Donc, il faudrait qu'ils s'entendent, il faudrait que les deux hommes d'État amènent le pays à se développer, à quitter cette longue période de crise et cette longue période de transition qui n'a d'ailleurs pas marché normalement. Les Centrafricains attendent beaucoup de cette élection, du moins de ce nouveau président qui a été désigné. C'est bien sûr une actualité que nous suivrons de très près sur votre chaîne de télé. Les brèves de la semaine commencent par le Niger. C'est ce dimanche que quelques 7,5 millions de Nigériens ont accompli leur devoir civique pour le compte de l'élection présidentielle qui sera suivie du législatif. Un scrutin très ouvert au regard du nombre des candidats qui y prennent part. 15 au total, parmi eux, le président sortant Mamadou Issoufou, candidat également, qui entend sortir vainqueur dès le premier tour face à une opposition qui agite le spectre de la fraude après une campagne électorale tendue. Les résultats doivent être annoncés dans les 5 jours suivant le scrutin, mais pourraient être proclamés mardi ou mercredi, selon une source au ministère de l'Intérieur. Je me tourne directement vers vous, Carnot. Cette question de fraude, elle revient toujours, des soupçons pendant la campagne, mais les opposants qui battent quand même campagne, qui acceptent d'aller aux urnes, et c'est une fois qu'ils ont les premières tendances qu'ils parlent de fraude. Absolument. Enfin, c'est peut-être le cycle infernal dans les élections en Afrique. Ça, on l'a observé. Mais la question de fraude, en fait, elle porte sur une habitude électorale qui a cours au Niger. L'habitude, c'est que quelqu'un peut aller voter sans pièce d'identité. Il suffit que cette personne ait 2 témoins qui attestent que c'est un Nigérien. À ce moment-là, il peut voter. Et là, l'opposition pense que cette façon de faire qui date depuis très longtemps ne doit plus avoir cours. Elle n'est plus assez démocrate et ne devrait plus avoir cours en 2016. Donc c'est un peu cela qui fait croire ou qui fait dire à l'opposition nigérienne qu'il y a une forte fraude, une fraude massive, je veux dire, qui est en train de se préparer. Donc cette façon de faire qui a été utilisée plusieurs fois dans plusieurs élections présidentielles au Niger, les autorités ont pensé
qu'on pouvait toujours l'utiliser pour cette élection et l'opposition ne l'entend pas de cette oreille. Ahmed Djoa, on s'intéresse un peu à Mamadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui était candidat à cette présidentielle mais qui a battu campagne derrière les barreaux. Vous pensez qu'il a des chances ? Oui, il a beaucoup de chance tant que le peuple est derrière lui, tant que la politique qu'il met en place, effectivement, elle convient au peuple, elle convient aux aspirations du peuple. Moi, je pense que, et puis tout le monde sait un peu comment il est allé derrière les barreaux, hein, cela ne souffre d'aucune contestation. Donc, si le peuple est avec lui et que sa politique est mise en place, il n'y a pas de raison, effectivement, qu'il ne soit pas élu. Maintenant, il va falloir qu'il soit plus fort que ses autres challengers, que ses challengers. Voilà, et tout va se définir dans les urnes. Ils sont quand même 15 au total. Oui, ils sont quand même 15. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Mais pour quelqu'un qui n'était pas sûr. Des alliances. Absolument. Mais pas qu'on peut, on peut aussi tisser des alliances. Pour quelqu'un qui n'était pas sur le terrain de la campagne aussi. Ah ouais, mais oui, ils sont 15, mais il faut quand même tenir compte du fait que parmi les 15, il y a toujours et toujours des petits candidats, je le mets entre griffes, il y a toujours et toujours des candidats qui sont préfabriqué par le pouvoir en place pour essayer de faire la diversion. Donc, en réalité, on parle de Mamadou, on parle de Mamadou Issoufou, ce sont les deux candidats de poids. Les deux grandes figures. Les deux grandes figures, et puis derrière, il y a. Voilà. Donc, en réalité, ils sont 15, c'est vrai, mais parmi les 15, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a qui savent que. Ils font juste de la figuration. Et n'oubliez pas aussi que d'autres ont mené campagne pour lui. C'est vrai que sa présence physique était d'une importance quand même assez majeure. Mais sachant dans quelles conditions il était, je pense que ses adhérents, ses partisans l'ont compris. Et ce n'est pas cela qui fera en sorte effectivement que lorsqu'on aspire à sa philosophie, qu'on n'en arrive pas à voter pour lui. Alors justement, pendant cette campagne, il y a 4 candidats de l'opposition qui ont décidé de se mettre en groupe si jamais ils allaient au second tour. Et de l'autre côté, on a un président, Mamadou Issoufou, qui ne compte pas aller au second tour. Bon, il pense le remporter cash, comme il l'a dit. Au premier tour. En Afrique de l'Ouest, on dit un coup KO. Ça veut dire que vous pensez qu'il ne compte que sur sa campagne ou alors il compte sur le fait que ce soit lui le pouvoir? Mamadou Issoufou organise ce scrutin. C'est déjà un atout pour lui. D'accord. Un atout majeur, mais quand même, c'est vrai que de l'autre côté, lorsqu'on est unis, hein, on peut effectivement ratisser beaucoup plus large. Mais maintenant, comme le dit M. Carnot, Épargnez-moi de me servir de ce monsieur sur ce plateau. Étant l'organisateur, suivez mon regard, on peut penser à beaucoup de choses. Et puis voilà, et la fraude qui aujourd'hui est en train de gangréner les esprits des populations, c'est là également quelque chose qu'il va falloir regarder de très près. Nous y reviendrons. Au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso vient de signer le décret portant nomination des animateurs de la Commission nationale électorale indépendante, CNEI. À un mois de la présidentielle, l'opposition estime que la structure chargée de conduire le processus électoral tel que composé par le chef de l'État ne jouit d'aucune indépendance ni impartialité. Elle n'y voit aucun changement par rapport au bureau de la précédente CONEL, la Commission nationale d'organisation des élections, qui est opérationnelle depuis 2001. Des critiques que rejette le PCT au pouvoir. Pour le Parti congolais du travail, c'est à l'œuvre que l'on reconnaîtra l'indépendance et le travail des animateurs de la CNEI. Alors, Armel Djouébogo, selon l'opposition congolaise, on a l'impression que les mêmes causes forcément produiront les mêmes effets, du moins selon l'opinion de l'opposition. Oui, c'est l'impression que nous avons. Mais maintenant, est-ce que dans la réalité, cela va toujours se passer de la même façon? Est-ce que si les animateurs sont les mêmes, vous pensez qu'il pourrait y avoir une différence au niveau de la gestion? C'est possible, on peut changer. Hein. Seuls les imbéciles ne changent pas, permettez-moi l'expression. Même si les animateurs sont les mêmes, il peut y avoir des changements, il peut y avoir une évolution. Ça dépend de la volonté, effectivement, de tout un chacun. Ça dépend de là où on veut aller. Aujourd'hui, on a peut-être nourri des tares dans le passé qui peuvent surgir. Mais maintenant, avec une nouvelle vision, une nouvelle dynamique, je pense qu'on peut changer. Mais maintenant, de la nouveauté aussi est très importante, amener de nouvelles personnes, effectivement, qui arrivent à mieux être outillées pour, n'est-ce pas, permettre une évolution des choses assez positive. Je pense que là aussi, il faut regarder de ce côté. Un changement est assez important aussi. Justement, Carnot, est-ce qu'il n'aurait pas fallu peut-être au président
pour assurer de la crédibilité, de la totale transparence de cette commission-là, introduire, pourquoi pas, soit des membres de la société civile, ou ouvrir du moins cette composition du bureau? Cela dépend de ce que la loi prévoit pour la composition de ce bureau. Si la loi ne prévoit pas qu'il y ait des membres de la société civile, il serait impossible de les amener dans ce bureau. Si la loi ne prévoit pas qu'il y ait des membres de l'opposition, il sera difficile de les amener dans ce bureau. Mais si la loi le prévoit... Ça m'étonnerait que le président Sassou Nguesso ait nommé des membres de cette nouvelle commission sans tenir compte de ce que la loi lui impose. Maintenant, il faut savoir que, comme je l'ai dit pour Mamadou Issoufou, Sassou Nguesso se présentera à cette élection, il ne pourra que faire des choses de telle sorte qu'il puisse tirer la couverture de son côté. C'est de bonne guerre, en tout cas. Maintenant, si c'est un bon démocrate, cette commission électorale doit refléter l'image que les Congolais veulent donner de leur pays. Et donc, lui étant le chef de l'État congolais, il doit également, respecter les aspirations des uns et des autres de part et d'autre également de l'échiquier politique congolais. D'accord. Donc, en réalité, il faut absolument que l'opposition soit objective. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de critiquer pour critiquer. Effectivement. Décidé de nommer une équipe qui va coordonner les opérations électorales dans le pays, c'est que c'est une équipe forcément qui a été préparée pour et qui pourrait normalement faire les certains choses. Observateurs parlent d'une tentative de déplacer le débat. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a d'abord cet avancement de la date du scrutin qui fait polémique, la candidature, une fois de plus, du président Sassou Nguesso qui fait une autre polémique. Et donc, il se dit peut-être qu'il faut essayer de détourner le débat. Pensez que c'est... Oui, mais c'est bien cela. En tout cas, tout ce qu'il va faire aujourd'hui, le président Denis Sassou Nguesso sera toujours soupçonné de vouloir déplacer le débat, de vouloir faire diversion. Parce qu'en réalité, ce qui était impossible pour l'opposition congolaise, c'est que Denis Sassou Nguesso se représente à cette présidentielle, puisqu'il avait déjà dépassé le nombre de mandats qui lui étaient imposés par la Constitution. Par un référendum, il a fait sauter ce verrou constitutionnel. Donc tout ce qu'il peut faire aujourd'hui... Ces actes seront soupçonnés pour... Soupçonnés, absolument. De chercher à corroborer absolument, et à le conduire. Absolument, absolument. Et c'est bien cela... Je crois que d'autres choses vont surgir dans les semaines mais à venir. Justement, parce que est-ce que le scrutin, il est prévu pour le 30 mars prochain, je crois. Le 20 mars. Le 20 mars. Alors, entre ce soir et le 20 mars, j'ai la faiblesse de croire que d'autres choses, d'autres rebondissements. Justement, est-ce que vous pensez que dans cette atmosphère, on pourrait, ou du moins l'opposition pourrait avoir confiance en ce scrutin qui se déroulera? Oh, pas sûr, pas du tout. Pas du tout, parce que effectivement, Carnot l'a dit tout à l'heure, il a répété, il mettra toujours tout, n'est-ce pas, le président congolais pour être favorable. Et là, je suis même sûr que par rapport à ces personnes qui ont été recensées pour effectivement suivre le scrutin, il part majoritaire. Déjà du fait qu'il parte majoritaire, cela handicape un peu l'opposition, même si cela ne va pas forcément favoriser la candidature, n'est-ce pas, du président. Une opposition qui prendra quand même part et pour réclamer pour crier après. Possible, c'est possible, parce que c'est un peu ce qu'on voit. En tout cas, l'opposition n'aura pas le choix. L'opposition prendra part nécessairement à cette élection. Même si après, il faudra encore réclamer. Même si après, absolument, parce que même si l'opposition ne prenait pas part à cette, à ce scrutin, il y aura toujours scrutin, il y aura toujours vote, et Denis Sassou Nguesso pourrait forcément être élu, puisque si l'opposition décide de boycotter, il n'y aura qu'un seul candidat, et ce sera lui. Mais bon, on ne pense pas que il faut déjà voir les choses dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'opposition a toujours tendance à voir des choses à tort ou à raison, anticiper sur ce genre de choses. Ce qu'il faut, c'est que l'opposition en République du Congo, aujourd'hui, s'organise de telle sorte qu'il y ait un membre de l'opposition qui puisse
surveiller le déroulement du vote dans chacun des... Pour le compte de tout le monde. Oui, mais oui, déjà pour le compte de l'opposition, pour être sûr que tout se déroule normalement dans chacun des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire congolais. Ce qui est souvent une grosse impossibilité parce que c'est beaucoup d'argent. Et même quand ça se fait, il y a parfois... Et même, absolument. On sait comment ça se passe sur le terrain. Aussi, même forcément. Dans l'opposition, voilà. Et ça joue souvent contre eux. Voilà, il y a aussi la crédibilité de ces personnes-là, de tel parti ou tel autre de l'opposition, quant au parti au pouvoir. Juste à côté, la République démocratique du Congo a connu le mardi 16 février 2016, une journée pays mort, un appel lancé par le Front citoyen 2016 et d'autres plateformes de l'opposition congolaise qui visaient à faire respecter la Constitution et notamment des délais constitutionnels pour l'élection présidentielle. Le gouvernement comme la commission électorale sont suspectés par le collectif de partis d'opposition et l'organisation de la société civile de vouloir entériner un glissement du calendrier électoral pour permettre au président Joseph Kabila, qui termine son deuxième mandat, de rester au pouvoir. Une date historique par ailleurs, choisie à dessein. On se souvient du 16 février 92, où les chrétiens avaient marché pour réclamer la réouverture de la conférence nationale. Une opération de pays mort, mais réussie seulement partiellement. Oui, de pays mort réussie partiellement, mais c'est déjà une avancée significative, considérable. Vous pensez qu'elle a atteint son objectif? Est-ce que ça a touché vraiment les principales personnes visées? Oui, vous avez dit partiellement, donc... Ça n'a pas effectivement touché toutes les personnes que l'on voulait toucher. Mais moi, je pense que c'est déjà une avancée, c'est déjà un pas franchi. Et maintenant, on va voir ce que cela va produire demain comme effet. D'accord. On reparle forcément de ce dialogue national que le président Joseph Kabila a essayé d'introduire et d'initier avec ce communiqué d'ailleurs assez récent de quatre organisations internationales, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, l'OIF et l'ONU, voilà, qui appellent donc la RDC à s'unir, à faire confiance à Edem Kodjo qui est le médiateur pour cette situation. Et surtout dans le communiqué, on demande au gouvernement congolais, notamment au président Kabila, de fixer une date précise pour les élections. Après, on dit à bonne date dans le communiqué. Est-ce que l'opposition n'a pas manqué de relever et quand même de pointer du doigt? Écoutez, la situation en République démocratique du Congo est quasiment similaire à celle que nous venons d'évoquer en République du Congo. On a juste enjambé le fleuve Congo. Aujourd'hui, l'opposition ne veut pas que Joseph Désiré Kabila puisse se présenter à cette élection. Joseph Kabila, pas Joseph Désiré, c'est son feu père. Donc Joseph Kabila veut lui également transgresser les dispositions constitutionnelles. C'est vrai que jusque-là, il ne s'est pas encore prononcé sur sa candidature, mais bon... Ce qui ne laisse pas l'ombre d'un doute tout au moins. Mais c'est là aussi les pratiques des hommes d'État qui font languir, qui font attendre, qui vont au moment opportun selon eux décider de divulguer leur candidature, même si aujourd'hui l'opposition congolaise dit que Joseph Kabila ne devrait pas se porter candidat puisqu'il a il est au terme de son deuxième mandat. La communauté internationale fait des pieds et des mains, notamment autour d'Edem Kodjo, pour que l'opposition et le pouvoir trouvent un modus vivendi. Sauf que l'opposition dit que c'est de la diversion. En réalité, tout ce qu'on peut faire autour, tout ce qu'on peut dire autour, il faudrait que Kabila donne les dates de l'élection et il ne faudrait pas que Kabila soit candidat. Voilà deux choses qui vont être assez difficiles à tenir pour l'opposition. En même temps, est-ce que l'opposition ne demande pas une chose et fait son contraire? Je veux dire, un dialogue national pourrait permettre la mise sur pied ou bien la décision de l'établissement d'un calendrier inclusif, avec un calendrier de consensus entre pouvoir et opposition, mais il refuse ce dialogue national. Effectivement, je partage votre avis, c'est une chose et son contraire, parce que moi je pense, je suis de ceux-là qui pensent effectivement que Joseph Kabila va se représenter. Alors demander un dialogue inclusif va obliger le président de l'heure de la RDC effectivement à leur faire état effectivement de sa position. Et nous savons
savons qu'eux, en retour, ils vont effectivement la rejeter parce que personne ne veut, du moins du côté de l'opposition, que Joseph Kabila se représente. Alors c'est une chose et son contraire. Mais maintenant, l'issue effectivement de ce blocus va forcément être décomptée par, n'est-ce pas, l'apport des autres pays ou des autres organismes africains qui effectivement interviennent dans ce problème de la RDC. Et une fois de plus, pour finir avec le cas de la RDC, on a une opposition qui évolue en rang dispersé. Il y a plusieurs plateformes qui sont créées. Au départ, c'était le Front Citoyen 2016, et ensuite, il y a une autre qui s'est créée, une autre dynamique, et après, ils repartent en rang dispersé. Est-ce qu'on ne pourrait pas encore finir en queue de poisson? Oui, on va peut-être finir en queue de poisson, mais il y a une seule constante dans tous ces groupes qui vont se disperser. Une seule constante, c'est que Joseph Kabila est au terme d'un deuxième mandat, donc il ne faudrait pas, sauf à croire que les membres d'une certaine opposition en République démocratique du Congo vont finalement s'acoquiner avec le pouvoir en République démocratique du Congo et vont dire, tant qu'à faire, il faudrait peut-être lui donner un troisième mandat. À ce moment-là, il va falloir se raviser. Maintenant, dans tous les pays en Afrique, on a toujours observé que l'opposition va en rang dispersé. Peut-être c'est ce qu'il faut. Il faudrait résoudre comme problème déjà. Si on veut avoir une opposition forte, peut-être trouver le moyen d'aller en rang unique, d'aller ensemble, main dans la main. Oui, mais bon, ça ressemblerait à mener les gens à rester dans un parti unique. Or, la démocratie, c'est le multipartisme. C'est le multipartisme. C'est la pluralité d'opinion, c'est la pluralité de vision, c'est la pluralité d'appréciation. Donc, on aura toujours cela sur le continent africain, dans les pays en développement en Afrique, qui ont une démocratie embryonnaire. Il y aura toujours cela. Il faudrait peut-être attendre 1-2 siècles pour qu'on voit comment aux États-Unis, où on a les démocrates et les républicains. D'accord. Le fait politique de ce 7-7 News nous emmène en Ouganda pour la 5e fois consécutive. Le président Yoweri Museveni rempile à la tête de l'État à l'issue d'un scrutin présidentiel où il était face à 7 autres candidats. Une élection qui s'est déroulée jeudi, mais émaillée de plusieurs heurts et d'arrestations. Ces résultats donnés par la commission électorale ont immédiatement été contestés par l'opposition ougandaise. Le récit de Léa Tam. Yoweri Museveni est reconduit à la tête de l'Ouganda pour la 5e fois, avec 60,75% des voix contre son principal rival, Kizza Besigye, 35,37% sur les 15 millions d'électeurs ougandais enregistrés. Une victoire accueillie avec satisfaction par les partisans du pouvoir Museveni, le mouvement de résistance nationale, alors que le Forum pour le changement démocratique de Kizza Besigye conteste ses résultats, pointant ainsi du doigt à la commission électorale d'être partisane et de couvrir les fautes commises par le régime. Et du côté de la population ougandaise, des avis sont divisés sur la victoire de Museveni. Ces élections n'ont pas été équitables. Notre candidat Kizza Besigye, nous le soutenons, mais pour ces élections, ils n'ont pas annoncé les résultats de 3 districts, Masaka, Kampala et Wakiso. Dans ces districts, ils ont voté très tard. Pourtant, dans les villages, les votes étaient déjà faits. Donc je dis que ces élections ne sont pas équitables. L'élection est terminée, celui qui a été annoncé gagnant a été déclaré gagnant. C'est comme ça et nous devons accepter les résultats et passer à autre chose. Soulignant que le pays, qui n'a jamais connu d'alternance politique pacifique depuis son passage à la magistrature suprême en 1962, a connu cette année un scrutin présidentiel jugé chaotique du fait du gros retard enregistré le jour du vote et l'arrestation des partisans. Cette victoire de Museveni démontrerait donc sa popularité ainsi que l'expérience électorale de son parti alors qu'il est arrivé au pouvoir en 1986 après avoir renversé l'autocrate Milton Obote. 30 ans au pouvoir pour Yoweri Museveni, il l'a remporté à 60,75% des voix. On a l'impression de revoir un peu ce qui s'est passé au Burundi il y a quelques mois. Oui, on a l'impression, et il fallait s'y attendre hein, pour ce qui est de l'Ouganda, parce que Yoweri Museveni est à chaque fois arrivé en tête, à s'imposer pendant les 4 aux 5 dernières élections présidentielles, avec 75% des voix en 1996, 69% des voix en 2001, 59% des voix en 2006 et 68% des voix en 2011. Ça veut dire qu'à chaque fois, il s'impose
toujours au premier tour, comme ça, il fallait s'y attendre. Et c'est également, comme vous le rappeliez, ce qui s'est passé au Burundi, où Pierre Nkurunziza s'est imposé au premier tour. Donc, Au premier tour, absolument. Donc, ce sont les mêmes pratiques, même si, là encore, l'opposition rejette en bloc. Ouais. Les résultats de cette présidence. Mais peut-être contrairement au Burundi, on a une population ougandaise qui semble résignée. C'est le calme partout dans la ville depuis l'annonce des résultats. Ils préfèrent rentrer dans des bars et autres selon des reportages. Oui, bon, selon certaines sources qui nous reviennent, M. Veni, il est vieux. Il se pourrait, je ne le lui souhaite pas, qu'il ne finisse pas ce cinquième mandat. Carnot l'a souligné tout à l'heure. Vous allez vous rendre compte que depuis son arrivée au pouvoir en Ouganda, effectivement, il a toujours été. Son score a toujours été très élevé. Et il va. En diminuant. Aujourd'hui, on est à 60,75%. Mmh. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il n'a plus totalement également l'assentiment de toute la population et même l'assentiment de certains hommes politiques qui le soutiennent, qui sont même dans son parti politique. Effectivement. Donc, vous voyez, avec tout ce qui s'est passé en 2015 comme exaction, comme maltraitance, comme problème, comme meurtre, comme tuerie, cela, effectivement, occasionne le chiffre que nous avons aujourd'hui. Et cela montre que, effectivement, le peuple, de façon générale, ne veut plus vraiment de lui. Il remporte, je ne vais pas aller penser, effectivement, qu'il l'a remporté de façon frauduleuse. L'opposition a été là bien pour dénoncer, effectivement, son élection. Mais moi, je suis juste en train de faire une analyse assez logique. Ses résultats sont en train de dégraisser. Et vous dites que peut-être d'ici les prochains mandats ou d'ici les prochaines présidentielles, il pourrait affaiblir complètement. D'ici les prochaines présidentielles, on pourrait arriver au deuxième tour. – Justement, en parlant de l'opposition, avant de recevoir dans quelques instants seulement Roland Jacob pour l'actualité de ce dimanche, on a cet opposant, cette grosse figure de l'opposition ougandaise, Kizza Besigye, qui a quand même vécu une semaine assez atypique, 3 arrestations, c'est vrai qu'elles étaient brèves, ces arrestations, mais quand même 3 arrestations d'un candidat à la présidentielle. – Absolument, et c'est cela qui justifie le calme dont vous faisiez état tantôt, parce que on voit bien que le pouvoir en place a montré les couleurs dès le départ en disant que même un candidat à la présidentielle peut aller en prison avant l'élection. Ça veut dire qu'il peut aller en prison après l'élection. Et ça veut dire que n'importe qui, n'importe quel Ougandais pourrait aller en prison après le scrutin. C'est pour cela qu'on peut voir qu'il y a un calme plat dans le pays. Les opposants ont peur, la population a peur et on le sait, Yoweri Museveni dirige l'Ouganda d'une main de fer. On a Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérian qui est à la tête donc, de ce groupe d'observateurs du Commonwealth. Il a fortement critiqué cette élection. Il y a plusieurs bureaux de vote qui ont ouvert en retard. Il avait l'impression que c'était fait exprès d'ouvrir ces bureaux en retard pour empêcher aux gens de voter. Absolument. Et vous avez vu, même en mettant de côté le fait d'ouvrir les bureaux de vote en retard, ce que vous avez déjà vu dans un pays où les gens sont dans des files pour aller voter et que la police qui est chargée de veiller les aider à leur plutôt, sécurité, les aider, tire des bombes lacrymogènes. Ça veut dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a des choses qui aurait pu être planifié dans ce sens-là pour que Yoweri Museveni remporte cette élection. Parce qu'il n'y a pas de raison que les populations sont en train d'attendre, même si elles grognent un peu parce que les bureaux de vote sont fermés, parce que le matériel électoral est arrivé en retard. Cette élection court d'une heure à une autre heure. Et si autour de ces deux heures, ces deux pôles, on n'arrive pas à voter, ça veut dire qu'ils vont rester chez eux, ils vont retourner chez eux sans pouvoir voter. Mais la police n'a rien trouvé de mieux que de venir tirer des bombes lacrymogènes. La police, qui dit la police,
dit le gouvernement. Et c'est ce que moi, je trouve souvent maladroit, effectivement, que l'on ait déjà un pouvoir quand même que l'on gère de main de fer, et que le jour du scrutin, par exemple, avec tout ce qui a déjà été reproché à ce gouvernement, à cette institution, que l'on vienne quand même encore aux yeux de la presse nationale et internationale, surtout la presse internationale, effectivement, poser de telles exactions qui viennent toujours ternir encore plus l'image. J'ai du mal à le comprendre. Et ce qui est sûr, effectivement, c'est que cela, tout de suite, va entraîner des pensées négatives, comme quoi, effectivement, tout cela est orchestré, effectivement, pour mener une fraude. Alors, on fait bien de parler de la communauté internationale. Je voudrais qu'on se penche un peu sur ce qu'elle peut faire. On a déjà cette position du Commonwealth, dont le groupe était conduit par Olusegun Obasanjo. On a également cette déclaration de Kissa Besigye, sa deuxième arrestation. Il était en train de tenter d'accéder à une maison où il avait eu des informations qu'il se trimait, où il se tramait quelques bourrages d'urnes. Quelle est la place ou quel est le rôle que doit jouer à ce moment la communauté internationale ? La communauté internationale ne peut que dénoncer. C'est la seule chose que la communauté internationale peut faire. Vous l'avez dit, le Commonwealth a dénoncé. Les observateurs de l'Union européenne ont dénoncé. L'opposition a dénoncé. En réalité, on n'en est pas encore à un stade d'exaction qui puisse amener la communauté internationale à intervenir d'une certaine façon. Même diplomatiquement, on n'en est pas encore là, mais il se trouve simplement que l'Ouganda étant un pays souverain, la communauté internationale ne peut qu'apprécier, dénoncer et dire au gouvernement ougandais que la façon dont vous conduisez les choses, le pays n'est pas la bonne pour vos propres populations. C'est, jusqu'à présent, c'est tout ce que la communauté internationale peut faire. Le fait d'accepter des observateurs dans un scrutin aussi important que cela, ça traduit aussi le fait de pouvoir les écouter, de pouvoir écouter leur appréciation, de pouvoir prendre en compte leur appréciation et peut-être se rectifier un peu plus tard. Alors pour revenir au cas du Burundi, essayer de voir quelques similitudes, est-ce qu'au Burundi, c'est une population qui s'est levée, est-ce que vous pensez que la population ougandaise, de par son histoire, pourrait aussi en arriver à ce point, à se rebeller de façon violente et répressive contre le gouvernement ? En tout cas, les dernières années, ces dernières années en Ouganda nous montrent que il n'y a aucune place pour la rébellion, d'accord. Donc, à mon avis, on ne pourrait pas s'attendre à ce que les populations se soulèvent, comme on a pu l'observer au Burundi. À mon avis, pourquoi encore je le dis, parce que le gouvernement, le pouvoir ougandais a montré ses couleurs dès le départ en emprisonnant un candidat à l'élection présidentielle, en brutalisant les populations. Donc c'est juste une façon de leur dire « celui qui bouge, on tire ». Voilà, nous accueillons à ce moment Roland Djakou sur ce plateau. L'actualité donc de ce dimanche, c'est aussi le Maroc avec le 5e anniversaire du mouvement pro-réforme. Le Cameroun, où l'artiste Petit Pays célèbre ses 30 ans de carrière et élection à la tête de la FIFA. Bonsoir Roland. Bonsoir. Bonsoir Roland. Vous nous présentez ce que vous avez prévu pour nous en termes d'actualité de ce dimanche. Effectivement, il faut dire Blanche que l'actualité depuis ce week-end est marquée par les élections présidentielles sur le continent et nous parlons tout de suite en bref de l'ancien premier ministre centrafricain qui a été déclaré élu président de son pays par l'autorité nationale électorale. Il s'est officiellement exprimé d'ailleurs devant la presse ce dimanche. Chabangui pour Faustin Archange Touadéra, puisqu'il s'agit de lui, le nouveau président centrafricain. Le plus dur reste maintenant à faire, à savoir la reconstruction du pays, dont l'unité, la paix pour un développement durable. Écoutons un extrait de son propos face à la presse, tout de suite. Mes chers compatriotes, ainsi de manière souveraine, en toute liberté et en toute transparence, vous avez décidé de me confier la charge de président de la République. Je vous remercie de m'avoir fait ainsi confiance. Mes remerciements s'adressent en premier lieu à toutes les Centrafricaines et à tous les Centrafricains, aux militants,
et sympathisants de partis et candidats alliés qui m'ont massivement accordé leur suffrage. Élu de la nation tout entière, je félicite tous mes compatriotes qui, quelles que soient leurs convictions, sont allés voter et ont ainsi accompli leur devoir électoral. En se rendant aux urnes, le 14 février 2016, dans le calme, ils ont une fois de plus manifesté leur sens de responsabilité dans l'attachement au retour à l'ordre constitutionnel normal et à la démocratie. Mes chers compatriotes. Alors, l'ancien Premier ministre qui vient de s'exprimer de la République centrafricaine a reçu la confiance du peuple centrafricain pour les 5 prochaines années. Victoire annoncée hier samedi par l'autorité nationale électorale. Écoutons suivant ce reportage de Blanche Bidga. Selon des résultats du second tour de la présidentielle, publié par Madeleine Couette-Urnert, la présidente de l'ANE, Faustin Archange Touadéra, 58 ans, a recueilli 62,71% des suffrages contre 37,29% pour son rival, Anissé Georges Dologuélé, qui d'ailleurs a reconnu sa défaite, renonçant à saisir la Cour constitutionnelle pour des irrégularités qu'il disait quelques jours auparavant avoir observées. C'est donc à ce dernier, Premier ministre de l'ex-président François Bozizé, que reviendra la lourde charge de redresser l'un des pays les plus pauvres de la planète, qui a sombré dans le chaos après les tueries intercommunautaires de 2013 et 2014. Selon l'Autorité nationale des élections, l'on note pour ce deuxième tour une faible participation sur le plan national par rapport au premier, à savoir 61%. Malgré la volonté affichée par des électeurs à Bangui dimanche dernier de voter en masse pour élire enfin un président après de nombreux reports et tourner la page des violences. Touadéra, la force tranquille, le candidat du peuple qui s'est révélé au grand jour, scandé plusieurs centrafricains hier à l'annonce de ses résultats, même s'il reste encore qu'il soit validé par la Cour constitutionnelle de transition. Parlons toujours d'élections, mais cette fois au Niger, où le président Mahamadou Issoufou a voté ce dimanche dans le bureau de l'hôtel de ville de la capitale Niamey. Candidat à sa propre succession, il brigue là un second mandat. Plusieurs électeurs nigériens ont également voté dans un climat où l'opposition agite le spectre de la fraude après une campagne tendue. Armel Djumbogo dans ce reportage. On n'est plus en campagne. Maintenant, il faut être patient et attendre quelques heures. On verra les résultats qui vont sortir des urnes. Nul ne peut dire avec certitude si ces propos de Mamadou Issoufou, candidat à sa propre succession, sont d'ordre à rassurer ses électeurs. Après avoir voté lui-même, le président sortant attend patiemment le résultat des urnes. Dans cette même attente où certains électeurs se préparent à de mouvements violents si Issoufou venait à gagner au premier tour, d'autres au contraire espèrent une sérénité, quelle que soit l'issue du vote. Je viens de voter, j'ai exercé mon droit de vote, j'invite tous les citoyens du pays à aller voter. Celui qui gagne, c'est la volonté de Dieu, et celui qui perd doit prendre son mal en patience. On doit tous s'unir derrière celui que Dieu a choisi pour nous. Cette élection présidentielle est couplée à des législatives et les résultats seront annoncés dans les 5 jours suivant le scrutin. Pour rappel, de nombreux bureaux de vote ont ouvert avec beaucoup de retard, une situation qui sème le doute dans les esprits des uns et des autres, surtout lorsqu'on sait que le président Issoufou, 63 ans, surnommé le Lion, avait déjà été accusé par l'opposition de préparer un hold-up et la crainte de troubles post-électoraux a commencé à gagner les esprits. En Ouganda, après l'annonce de la victoire du président Museveni, le FDC de l'opposant Kizza Besigye rejette les résultats et dit ne pas vouloir collaborer avec le chef de l'État qui vient d'être réélu pour un 5e quinquennat. Reportage. Le principal candidat d'opposition en Ouganda, Kizza Besigye, a déclaré samedi rejeter les résultats d'une parodie d'élection quelques minutes après l'annonce de la réélection du président sortant Yoweri Museveni au pouvoir depuis 30 ans pour un 5e quinquennat. Comme vous avez pu l'entendre, nous rejetons les résultats des élections. Nous devons continuer la lutte qui risque d'être longue et difficile, mais à la fin, nous vaincrons. Nous avons gagné les élections. Nous gagnerons notre combat et nous aurons le pouvoir. Son parti, le Forum pour le changement démocratique, en abrégé FDC, avait déjà appelé samedi les Ougandais et la communauté internationale à rejeter et condamner la fraude qui a été commise et à révéler dans son intégralité. Une manipulation qui, selon le parti, doit être dénoncée. Nous devons dénoncer ce vol électoral en ne reconnaissant pas ce gouvernement et en arrêtant de coopérer avec lui. L'Ouganda, pays enclavé d'Afrique de l'Est, dont la population est estimée à 37 millions d'habitants, n'a jamais connu d'alternance politique pacifique depuis son indépendance en 1962.
Un clin d'œil à l'économie, l'Afrique doit profiter de son taux de croissance attractif pour accroître ses échanges commerciaux et les investissements sur le continent. C'est le souhait exprimé hier samedi par les dirigeants africains rassemblés pour le sommet Africa 2016 à Sharm el-Sheikh en Égypte et qui s'est refermé ce dimanche. Blanche Bidia. Il faut encourager le commerce et les investissements sur le continent afin de renforcer la place de l'Afrique dans l'économie mondiale. Ainsi s'est exprimé le président Abdel Fattah al-Sissi d'Égypte. Et c'est ce à quoi se sont attelés ces dirigeants africains durant les deux jours du sommet. Plusieurs accords y ont été signés. Vous devez avoir vos propres investisseurs en premier lieu, parce que quand vos citoyens investissent, ils gagnent la confiance des autres investisseurs. Parce que quand vous n'investissez pas, les autres vont dire « Oh, ils n'ont pas confiance en eux ». Les gens viennent parce que vous investissez. Il faut de l'énergie et des trains. Le chemin de fer peut aider l'Afrique, comme il a servi l'agriculture en Asie ou même aux États-Unis. Les routes sont importantes, mais les trains sont encore plus importants. Si vous avez l'énergie et le réseau ferroviaire, l'Afrique va s'envoler. Le sommet s'est refermé ce dimanche. Y ont participé plus de 1200 responsables, dont les présidents du Gabon, du Soudan, du Rwanda, du Nigeria, du Togo, et ainsi que des dizaines de ministres et de décideurs économiques. L'économie du continent devrait croître de 4,4% en 2016 et 5% en 2017, un taux bien supérieur à celui des pays développés. Voilà Blanche, ce qu'on peut retenir de l'actualité de ce dimanche ou encore de ce week-end. Merci Roland Jacquot et vous ne nous quittez pas. Nous restons avec vous pour évoquer dans cette émission le fait culturel ouvert le 13 février dernier avec pour objectif de valoriser, soutenir et encourager le cinéma gabonais. La première édition de la quinzaine du film amateur en abrégé qui filma s'est refermée samedi à Libreville au Gabon. Le film Air de stationnement a remporté l'Iboga d'or, le plus prestigieux prix de cet événement. Nous allons suivre votre reportage et nous reviendrons juste après. Le rideau est tombé ce 20 février sur la première édition du Kifilma, la quinzaine du film amateur qui a vu la participation de plusieurs acteurs, réalisateurs et amateurs du 7e art gabonais. Une plateforme d'expression offerte aux hommes du cinéma local selon le coordinateur général de ce festival. Le Kifilma 2016 est un merveilleux chapitre que nous venons d'écrire dans le grand livre du cinéma gabonais. Lancé le 8 février dernier, cette première édition est arrivée à son terme et nous nous retrouvons ce soir pour clôturer cet événement avec la satisfaction du devoir accompli. Plusieurs récompenses ont été remises. L'Iboga d'or, le prix le plus prestigieux de la compétition, a été remporté par le film Air de stationnement du jeune réalisateur Sosten. Alors, avec ce prix, je vous assure que nous allons faire des œuvres meilleures. Accompagné de plusieurs autres membres du gouvernement, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a fermement invité la première chaîne de télévision gabonaise à commencer la diffusion de productions gabonaises. Que Gabon Télévision soit le premier diffuseur du cinéma gabonais. Et que Gabon Télévision et Légis travaillent à faire en sorte que le cinéma gabonais trouve un espace réel de visibilité. Ceci n'est pas un effet de discours, c'est une instruction. Initié par le ministère de la Communication et géré par l'Institut gabonais de l'image et du son, le Kifilma 2016, c'était plus de 60 films en projection, dont 8 en compétition dans la catégorie long-métrage. Alors Roland Jacquot, le Kifilma se referme ainsi. Quelle est la signification de cet événement pour le cinéma gabonais? Il y a une signification importante parce que ça permet de promouvoir, de détecter des talents, d'encourager le 7e art gabonais parce qu'il n'y en avait pas. C'est une initiative qui a été d'ailleurs saluée pendant tout son déroulement du côté du Majestic parce que c'est le site qui a accueilli cet événement. Donc un événement qui a été largement salué par la communauté cinématographique gabonaise, parce que là, on parle de la quinzaine du film amateur, un événement qui a permis à ce qu'on puisse découvrir non seulement des talents, mais avoir aussi les cinéastes, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs, les monteurs, les ingénieurs de son, rassemblés autour d'une même cause, notamment celle de pouvoir valoriser, donner encore une autre image au 7e art gabonais. Et ça tombe à point de mai, ça arrive un peu plus tard, d'accord, mais c'était mieux que ça arrive. Voilà, mieux
tard que jamais. Donc les acteurs, et les cinéastes et les hommes de cinéma gabonais étaient très très heureux d'avoir cet événement. D'ailleurs, pour certaines personnes, ils ne croyaient pas quand le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Michel Claude Bilibinzia, l'avait annoncé. Donc ils ne croyaient pas, c'est passé d'une idée, du rêve à la réalité. Donc, on parle d'une trentaine de films en compétition ou d'une trentaine de films projetés, des films uniquement gabonais ? Ben, uniquement gabonais, parce que c'est un événement qui s'est concentré uniquement sur le cinéma gabonais. On parle c'était plus d'une vingtaine de films qui étaient diffusés en compétition et hors compétition, plus d'une soixantaine de films retenus par le comité critique qui était mis en place du côté de l'IGIS, qui avait d'ailleurs pris l'initiative de regarder et de trier les films qui pouvaient être en compétition ou pas. Et il y avait plusieurs catégories qui ont été récompensées hier. Donc il faut dire que c'est déjà un grand pas hein, en ce qui concerne la valorisation du cinéma, qui a d'ailleurs besoin de cet espace d'expression pour avoir vraiment de la visibilité. Justement, vous faites bien de parler de grands pas, Carnot, c'est quand même un paradoxe. Un grand pas, c'est vrai, avec cet événement, mais il n'y a pas de salle de cinéma. Il n'y a pas de salle de cinéma. Là, il faudrait peut-être que le gouvernement gabonais, et notamment le ministère de la Culture, d'abord, le ministère de la Communication, parce que puisse mettre en place une politique de vulgarisation du cinéma. Et à travers cela, il faut des salles de cinéma un peu partout dans la capitale gabonaise, mais également à l'intérieur du pays. On ne peut pas faire de cinéma, on ne peut pas faire de grands films si on ne sait pas où ils vont être projetés, regardez, où ils vont être regardés. Les films qui doivent être projetés au cinéma, ce n'est pas des séries télévisées. Donc, il faut qu'il y ait une politique qui amène les cinéastes à beaucoup produire, à présenter des choses. Et là, on vient de créer un prix, Libogador. Ça veut dire que ce sera là un objectif pour tout jeune cinéaste, pour tout cinéaste en herbe, pour tous ceux qui sont dans l'art dans le métier du 7e art. Ce sera un objectif l'année prochaine. Il faut que je produise quelque chose pour que j'obtienne un prix. Et ce n'est que là qu'il y aura beaucoup de motivation. Ce n'est que là qu'il y aura beaucoup de films gabonais. Effectivement, Roland Jacob, parlant de cet Ibogador, ça comprend quoi ? Est-ce que c'est une production d'un film ou alors est-ce que c'est un suivi, une formation ? Ça comprend quoi ? Ça comporte quoi, cet Ibogador ? Bon, Ibogador, en fait, ça comporte un certain montant. On vous remet le prix, un certain montant qui vous permet de pouvoir réaliser peut-être une œuvre à venir. C'est vrai que ce n'est pas aussi important que ça, le montant qui accompagne le trophée. Mais déjà, comme je l'ai dit, le plus important dans un premier temps, le plus important, c'est de savoir, c'est de voir qu'il y a déjà cette motivation de la part du gouvernement gabonais de pouvoir donner une image beaucoup plus large hein, au cinéma gabonais, parce qu'on en a vraiment besoin. Il fallait voir le nombre de personnes qui allaient dans les salles tous les soirs quand il y avait des projections. C'est la preuve que le Gabonais demande à voir ses propres histoires à la télé, d'où d'ailleurs au cinéma, d'où d'ailleurs la sommation hein, qu'a fait le ministre de la Communication au directeur général de Gabon Télévision de diffuser les films gabonais sur la chaîne nationale. Oui, mais peut-être la diffusion, c'est pas tout. Est-ce qu'il y a, par exemple, au niveau de cette, je ne vais pas dire, cette structure qui a initié ce qui filma, est-ce qu'il y a un comité qui s'occupe de la qualité des films tournés? C'est bien beau d'être amateur, c'est bon d'avoir la volonté, mais au niveau de la qualité, est-ce qu'on se rassure de cette qualité-là? Mais effectivement, ça faisait partie des critères de sélection, Blanche. Ça faisait partie des critères de sélection, raison pour laquelle il y a eu un comité critique, un comité de journalistes culturels critiques qui connaissent, des personnes qui connaissent bien le cinéma. La qualité, il y en avait, raison pour laquelle d'ailleurs hein, c'est R de positionnement qui a remporté l'Iboga, c'était par rapport à sa qualité, par rapport à l'histoire, par rapport au scénario, par rapport aux acteurs qui étaient dans le film. À côté, il y avait plusieurs autres films que certaines personnes attendaient que ce soit récompensé par l'Ibogador, mais on est parti justement dans la logique où il faut encourager les nouveaux, des personnes qui essaient de faire quelque chose malgré les maigres moyens qu'ils peuvent avoir. Donc la qualité
qualité faisait partie des critères et je pense que si on continue avec ces objectifs et cette vision, à l'avenir, le cinéma gabonais doit progresser parce que, comme l'a dit Carnot, Libogado fait partie désormais des motivations qui vont susciter justement de la créativité. Alors, chez les réalisateurs. Juste pour sortir de ce fait culturel, est-ce qu'on ne va pas tomber dans les mêmes travers de toutes les cérémonies ou tous les festivals de récompenses en Afrique, de façon plus générale et au Gabon? Est-ce qu'il y a un suivi après, l'après-événement? Alors, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à ce festival qui vient de voir le jour au Gabon. Il faudrait qu'il y ait un suivi, il faut qu'il y ait une deuxième édition, il faut qu'il y ait une troisième édition. Il ne faudrait pas que demain, lorsqu'on aura un nouveau ministre de la Culture ou un nouveau ministre de la Communication, que le projet aille dans les tiroirs. C'est un projet qu'il faut saluer parce qu'on récompense des jeunes cinéastes. Il faudrait que ça reste institutionnel et les autorités qui vont partir, passer et aller au ministère de la Communication ou au ministère de la Culture doivent continuer à perpétuer ce festival. On a eu le cas avec la fête de la culture Gabon, encore, qui avait été initiée par un ancien ministre de la Culture. Lorsqu'il est parti, il a refilé le projet à l'État gabonais, mais après, le projet, il a été complètement il mis... Il complètement et mis il faut dire aussi... Donc, il faut, pour terminer, il faut absolument que le gouvernement, les autorités veillent à ce que Libogador soit suivi par toutes les autorités, par tous les cinéastes, par tous ceux qui font partie du microcosme... Du Kifilma, vous voulez dire. Voilà, du Kifilma, pour que cet événement soit perpétué. D'accord, merci Roland Diaco d'être passé. J'espère vous retrouver dimanche prochain. J'y serai. Ok. Le fait sportif, pour finir, le tout-puissant Mazembe, donc vainqueur de la Ligue des Champions, a remporté la Supercoupe d'Afrique au détriment de l'Étoile sportive du Sahel, tenant en titre de la Coupe de la CAF. C'était samedi après-midi à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Les Corbeaux du Choix ont battu la formation de Sousse sur le score de 2-1 grâce à un doublé de Daniel Adjei à la 20e et à la 45e minute. On va peut-être en parler avec vous en attendant d'accueillir bien sûr Mamadou Niang, le tout-puissant Mazembe, une fois de plus, qui brille sur la scène footballistique africaine. Absolument, le tout-puissant Mazembe qui montre, vous l'avez dit hein, dans votre propos introductif, que c'est un club qui montre sa toute-puissance parce que c'est quand même... le troisième titre hein, dont, au courant de cette année que le tout-puissant Mazembe arrive à rafler. C'est une équipe, en attendant que Mamadou Niang arrive, parce que je sais que c'est lui qui maîtrise beaucoup plus les ficelles du sport, mais c'est une équipe qui a démontré les qualités dont elle regorge avec tous ses joueurs qui ont fait également les beaux jours du CHAN 2016, parce que la République démocratique du Congo, on sait qu'elle a remporté ce championnat d'Afrique des Nations en 2016 à Kigali, au Rwanda, ce qui fait qu'on a bien vu plusieurs joueurs de cette équipe du tout-puissant Mazembe faire partie de cette équipe A de la République démocratique du Congo. Et on a vu que le sélectionneur de cette équipe A de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge, n'est tout autre que le coach du tout-puissant Mazembe. On voit bien le travail que Florent Ibenge a pu abattre tout au long de l'année avec les trois titres que le club a pu remporter. Mamadou Niang va certainement nous en dire plus, mais je sais que c'est une équipe qui est aujourd'hui auréolée de plusieurs victoires et ce n'est que tout à l'honneur de son président et bien sûr de tous ses supporters. Alors nous allons accueillir juste dans quelques secondes Mamadou Niang pour parler donc de cette actualité, le tout-puissant Mazembe qui rafle ainsi la coupe de la CAF. Voilà, c'est donc la super coupe de la CAF, autant pour moi c'était samedi après-midi à Lubumbashi, en battant donc cette équipe tunisienne de Sousse. Voilà, l'étoile sportive du Sahel, la victoire donc du tout-puissant Mazembe était de 2-0. Bonsoir Mamadou Niang.
Bonsoir Blanche, bonsoir. Bonsoir Mamadou. Alors, on revient un peu, on en parlait déjà tout à l'heure, avant votre arrivée sur ce plateau. Un tout puissant Mazembe, vraiment en puissance. Qu'est-ce qui explique cette razzia du club congolais sur le football africain? En fait, c'est la force du travail. Il faut rappeler un peu que la Coupe d'Afrique des clubs champions a été mise en jeu en 1964. Et la première équipe à remporter le trophée, c'est l'Oryx de Douala. Après, en 67 et en 68, le tout puissant Mazembe a remporté les deux trophées. Et après 68, cette équipe est retombée complètement dans l'oubli. Il a fallu attendre 1997 et l'arrivée du président Moïse Katumbi, qui fut gouverneur du Katanga. De 2007 à 2015, hein, il a quitté tout dernièrement, pour relancer le tout puissant Mazembe, qui est quand même un club historique. Et depuis donc 2009, ils ont remporté la première Ligue des Champions, qui venait retrouver les deux trophées de Coupe d'Afrique des clubs champions. C'était l'appellation avant. Mmh. Après, ils ont enchaîné en 2010, puis en 2015. Donc, ça leur fait 5 trophées déjà de Coupe d'Afrique sur l'ensemble des clubs. C'est un club également qui a représenté 2 fois l'Afrique à la Coupe du Monde des clubs. Vous savez que la formule veut que chaque année aussi, l'ensemble des clubs qui ont remporté le championnat, les coupes continentales, se retrouvent en phase finale de Coupe du Monde. Mmh. Le tout puissant Mazembe était à la Coupe du Monde en 2010. Elle a été jusqu'en finale. Ça a été une performance extraordinaire. Ils ont perdu la finale de la Coupe du Monde contre l'Inter de Milan, 3-0, avec Samuel Eto'o à l'époque. Après, c'est cette année qu'ils sont revenus, en 2015, pour ensuite représenter encore l'Afrique à la Coupe du Monde de 2015. La représentation cette année a été moins bonne parce que l'équipe a été éliminée dès le premier tour. Et ça a peut-être occasionné le départ de Patrice Casseron. La force du travail, c'est qu'ils ont trouvé un président qui a eu des idées, qui a boosté cette équipe, qui a ses infrastructures. C'est aujourd'hui un club qui a son stade à lui, qui a son avion, qui voyage en Afrique pour faire ses matchs de préparation, sa mise au vert. Tout le temps, vous les entendez à Bamako, à Dakar, un peu partout. Mais c'est également la force de l'encadrement technique. La force de l'encadrement technique, de l'encadrement administratif. Ensuite, en plus maintenant des infrastructures. Et c'est une équipe qui recrute chaque année un ou deux meilleurs joueurs africains. Parce qu'ils regardent un peu ce qui se passe autour de la Coupe de la CAF et de la Coupe de la Ligue des Champions pour voir les meilleurs joueurs qui ont émergé durant ces compétitions. Et il les recrute, il les amène au Justement, arrêtez-moi si je me trompe, mais cette finale qui s'est jouée samedi, c'était un gardien ivoirien, de nationalité ivoirienne, qui a remplacé... Koko Barry. Voilà. Justement, c'est le gardien international qui a remplacé Koko Barry. Avant lui, c'était le gardien de but de la RD Congo, Kidiaba. Mm-hmm. Après, ensuite, il y a eu les Zambiens qui ont gagné la Coupe d'Afrique 2012 ici au Gabon, qui ont été recrutés, les Sundu qui sont partis de là-bas et qui ont quitté pour aller en France. Ensuite, c'est un club qui fait un bon placement, qui prend ses meilleurs joueurs après, 2 ou 3 jours chaque année, qui les revend aux clubs français ou aux clubs européens. Donc, il y a des rentrées d'argent. Donc, ça fait que cette équipe... Le club est assez indépendant et assis financièrement. Assis financièrement, et puis il a son public, parce que c'est toute la région de Katanga qui est derrière cette équipe, c'est tout le Lubumbashi, avec aussi son staff, ses supporters et ses joueurs. D'accord. D'accord. Pour finir, on va parler un peu de cette compétition. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre l'ancienne formule, on parlait de Coupe d'Afrique des clubs, aujourd'hui c'est plutôt la Ligue des clubs champions. C'est la différence et à quel niveau? La différence, c'est que la Coupe d'Afrique des clubs, à l'époque, c'était jusqu'en 1975. Elle a démarré, comme je le disais tout à l'heure, en 64, la première édition. Et la dernière édition de l'ancienne formule, c'est en 1995 qu'ils ont arrêté. L'ancienne formule, les gens ont joué comme ça, c'était l'amateurisme. On se présentait, on jouait, c'était un système éliminatoire direct. À la finale, ce qui intéressait, il n'y avait que le trophée qu'on gagnait. Et on se retrouvait avec des dettes parce qu'on a dû dépenser durant tout le parcours beaucoup d'argent. Souvent, c'était avec l'aide de l'État et sans l'État également. Mm-hmm. Les clubs se retrouvent avec des dettes. À partir de 1975, avant 1995, la CAF a réfléchi et a vu un peu à copier le système de la Ligue des champions européenne. Aujourd'hui, la Ligue africaine des clubs champions, dès que vous vous qualifiez à la phase de poule, l'équipe qualifiée, les 8 équipes qualifiées à la phase de poule, empochent 150 millions de francs. Et durant la compétition,
que vous gagnez, que vous perdez, que vous ayez en machine, vous empêchez de l'argent, vous empochez de l'argent. Des primes de participation. Même si vous marquez un but, c'est de l'argent. Mmh. À la fin, il y a maintenant les sponsors et tout ça qui fait que le club qui arrive en finale, qui gagne le trophée, se retrouve avec pas moins de 1 milliard de francs. Okay. Donc c'est une compétition un peu plus professionnelle et qui permet plus aussi lucrative. Au club de... Voilà, plus lucrative. Peut-être Madour nous repréciser. Hubert Velud, quel rôle il joue dans le TP Mazembe? En fait, après la finale de la Ligue des Champions remportée par l'ancien entraîneur Patrick Carteron, ils sont allés en Coupe du Monde. Et l'équipe a été éliminée au premier tour. Comme le club vaut des résultats, pour Moïse Katumbi, le coach Carteron n'a pas fait un bon résultat parce que l'objectif du tout-puissant Mazembe à la Coupe du Monde, c'était de rééditer l'exploit de 2010, ou bien aller au minimum jusqu'en demi-finale. L'objectif n'a pas été atteint. Il s'est séparé de l'entraîneur pour recruter le nouvel entraîneur qui est actuellement entraîneur principal de l'équipe. D'accord. Merci beaucoup, Mamadou Niang. Il y a quand même une petite précision à faire. 30 secondes, s'il vous plaît. 30 secondes, Mamadou, une petite précision parce qu'on a parlé de Florent Ibengue qui a quand même aussi... jouer un rôle dans le TP Mazembe, non? Alors lui, il entraîne le Vita Club. Ah, le Vita. AS Vita Club. Ah, alors le club rival. Oui. Le club rival. Le club rival. Bah, parce qu'on a... D'accord, la précision en vaut la peine. Effectivement, on mélangeait les pédales. On s'est dit, voilà. Comme quoi, les professionnels et les techniciens du football, ça vaut toujours mieux. Absolument. Merci Mamadou Niang d'être passé. On espère vous retrouver très bientôt sur Canal 7. On remercie également Roland Diacou qui était là pour la culture et Ahmed Joé Bogo qui nous a aussi accompagnés. Merci à vous, Carnot, de m'avoir accompagné pour cette émission. Merci. On espère vous retrouver dimanche prochain à une place souhaitée. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. 77 News, c'est fini pour ce dimanche. Restez en compagnie de nos programmes sur Canal 7 qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.